conférence. Chères étudiantes et étudiants de campus ELISA Aerospace, nous sommes très honoreux aujourd'hui d'avoir un conférencier de haut calibre dans le domaine spatial, Monsieur Marc Vallès, le directeur de programmes spatiaux chez Dassault Aviation. Nous sommes avec des étudiants aujourd'hui, donc j'aimerais bien aussi commencer de parler de votre cursus étudiant. Donc vous avez enchaîné jusqu'à N2 en mathématiques appliquées, après une thèse de doctorat sur la modélisation mathématique de matériaux à isotropes continus, après un enseignant et finalement l'industrie jusqu'à la direction de l'unité spatiale chez Dassault Aviation. Nous sommes très reconnaissants pour votre disponibilité aujourd'hui pour nos étudiants. Alors, dans cette conférence, nous avons choisi avec Monsieur Vallès de parler sur un sujet d'actualité, le vol habité européen. Je veux aussi commencer par une présentation du sujet. Donc, conscient aujourd'hui que l'espace est devenu un nouveau territoire économique et au cœur d'enjeux géopolitiques aussi, les membres de groupes consultatifs de haut niveau sur l'exploration humaine et robotique de l'espace pour l'Europe de réflexion soutiennent l'idée que l'Europe devrait se lancer dans une entreprise révolutionnaire qui présente des avantages géopolitiques, économiques, mais aussi sociétaux considérables. Il souligne dernièrement que les estimations actuelles de l'économie spatiale mondiale se situent entre 350 et 400 50 milliards d'euros et même des prévisions indépendantes estiment que sa valeur elle va atteindre jusqu'à 1 000 milliards d'euros avant 2040. Donc, dans ce contexte, le pays et les régions qui ne garantiront pas leur accès indépendant à l'espace et son utilisation autonome deviendront stratégiquement dépendants et économiquement privés d'une partie importante de cette chaîne de valeur. Il souhaite alors que l'Europe se donne comme l'objectif de s'emparer d'un tiers de ce futur marché et nous pouvons évidemment plus se permettre de ne rien faire alors que les Américains, les Chinois, les Russes et bientôt aussi les Indiens qui sont très autonomes en matière de vol habité. Si on parle un peu sur l'historique, pour le cas de l'Europe, le vol habité n'a jamais avant une priorité, sauf dans les années 80 avec le projet d'avion spatial Hermès, abandonné en 1992. Aujourd'hui, la situation a été changée et quand on parle de vol habité, il s'agit d'aller sur la Lune, puis de s'aventurer aussi jusqu'à Mars. Donc, les questions, généralement, c'est pour quand et comment la station internationale européenne, au lieu de prendre un serpentin sur le projet Deep Space Gateway, la station en orbite autour de la Lune des Américains. C'est quoi en gros le vol habité? Quels sont les projets futurs de Dassault dans ce sujet? Quelles ambitions et quels sont les résultats attendus pour vous, les experts du domaine? Donc, toutes ces questions seront éclairées et analysées par notre invité. Sans trop retarder, Monsieur Vallès, la parole est à vous. Je vous remercie beaucoup, Anna. Effectivement, alors j'ai préparé un petit support qui va. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Hein, et j'ai préparé un petit support qui devrait aider alors, Anna, est-ce que ça marche? Sélectionner fenêtre, écran complet. Voilà. Hop. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Excusez-moi, mais. Il n'y a pas de souci. Nous sommes dans un amphithéâtre où ils présentent les étudiants. Donc, il y a plusieurs étudiants avec nous. Voilà. Est-ce que vous voyez l'image? Oui. Voilà. Donc, du coup, attendez, parce que je vais le mettre en plein écran, parce que je ne l'avais pas mis en plein écran. Voilà, c'est en plein écran. C'est mieux comme ça? Très bien. Donc, voilà. Donc, juste, effectivement, en continuité de ce que vous avez dit, Anna. Le vol habité revient un petit peu sur le devant de la scène, et en particulier sur le plan politique, le président Macron, lors du premier sommet, Space Summit, en février de l'année dernière à Toulouse, a posé la question de l'intérêt potentiel du vol habité, de façon très officielle, et a mandaté et a demandé à l'Agence spatiale européenne et à la Commission européenne de réfléchir sur le sujet. Et ce qui a donné lieu à la constitution d'un groupe de travail qui s'est appelé le High Level Group on Human and Robotic Space Exploration for Europe, qui a travaillé pendant presque un an sur le sujet,
puisque son rapport a été rendu public le 23 mars. Mais auparavant, comme vous le disiez, Anna, il y avait déjà eu des analyses par l'Agence spatiale européenne. Et le document qui s'appelle Terra Novae 2030, là, dont j'ai mis la page de garde sur cette planche, souligne ce que vous avez mentionné, tout l'intérêt de ne pas passer à côté de l'exploration spatiale et l'intérêt d'avoir un positionnement un petit peu différent auprès de nos amis américains, si je peux dire, de nos alliés américains, c'est-à-dire pas simplement être fournisseur de pièces ou de sous-équipements, mais être responsable de missions, donc de partager des missions et avoir des responsabilités sur des missions conjointes, donc avec un objectif, un programme qui soit commun, et à l'intérieur du programme, des sous-ensembles, des projets et des missions que l'Europe pourrait faire de façon complètement autonome. Et donc c'est cette orientation-là qui a été analysée et proposée par l'Agence spatiale européenne et qui a été confortée dans le rapport du HLAG, comme on l'appelle, du High Level Advisory Group, qui a été discuté en interne plusieurs fois dans la communauté spatiale et puis qui est devenu effectivement public au mois de mars de l'année dernière, enfin non, de cette année, pardon, et qui rappelle les chiffres que vous avez mentionnés tout à l'heure, tout l'intérêt de ne pas passer à côté d'une opportunité. Et ce sujet est à l'agenda du deuxième Space Summit, alors en fait, qui porte maintenant un nouveau nom, parce que c'est à la fois un événement ensemble à Séville. Il y a une première partie qui est organisée par l'Agence spatiale européenne et une deuxième partie qui est organisée par l'Union européenne, la Commission européenne, en particulier la Direction générale des filles, la Direction générale de la défense d'entreprise. À la fin, le dernier, c'est l'espace, je ne sais plus, l'innovation de l'espace. J'ai oublié un petit peu ce que vous dites, les filles, l'industrialisation et l'espace. Et donc, il porte cette fois-ci le nom de European Space Conference, je crois, quelque chose comme ça. European Space Week. Donc, tous ces événements-là se déroulent en réalité 7, 8 et 9 novembre à Séville. Et le sujet est à l'agenda. Avec peut-être pas tout seul, puisqu'il y aura d'autres sujets comme effectivement la difficulté qu'on a aujourd'hui d'accès à l'espace. Alors, peut-être un petit point pour rappeler que justement la traduction de vol habité autonome européen, quelque part, chacun des mots de cette petite locution sont importants. Il s'agit bien de vol et pas de lancement. Donc, maîtriser un domaine de vol, ça conduit à des solutions différentes, de respecter une trajectoire. Donc, ce n'est pas la même chose que le travail classique d'un lanceur pour aller positionner un satellite, ni le travail d'un missile, on va dire, qui doit aller atteindre une cible sur Terre après une certaine trajectoire. Il faut maîtriser des choses qui sont beaucoup plus flexibles. Et d'ailleurs, cette flexibilité qui est d'évoluer en dehors de deux trajectoires fixées entre deux points, mais d'être capable d'être plus flexible, de pouvoir faire des détours, aller ailleurs, c'est le succès de l'aéronautique. Hein. Un avion, s'il faut se détourner pour la météo, on peut. S'il faut partir un peu plus tard, on peut. Si finalement, il faut rejoindre un autre point, on peut. Donc, c'est un peu cette nouvelle dimension qui doit être apportée par la notion de vol habité. Habiter, ça sous-entend bien sûr qu'il faut revenir d'abord et en bonne santé en plus, donc avec des niveaux de fiabilité et de sécurité qui ne sont pas du tout de la même nature que quand il s'agit de vol qui n'est pas habité. Pour mémoire, aujourd'hui, les objectifs pour les spationautes américains, donc qui sont repris par l'Agence spatiale européenne pour les spationautes qui montent à bord des véhicules américains, c'est 5-10-3, c'est-à-dire une demi-chance sur 100 de mourir à chaque fois, quoi. Donc, et c'est deux fois mieux que ce qu'a démontré la navette américaine qui malheureusement a tué 1% des personnes qui sont montées à bord, mais c'est 1000 fois moins bien que le 10-5, c'est même 5000 fois moins bien que les 10-5 ou 2000 fois moins bien plutôt, pardon, excusez-moi, que de l'aviation générale, hein, les petits avions, les avions d'affaires, etc. Ou l'automobile, ça dépend des pays, c'est très variable en fonction des pays, mais en fonction des pays, ça peut être c'est beaucoup moins fiable que l'aéronautique de transport, dont la spécification est
10-7, c'est une chance sur 10 millions de mourir par heure de vol, hein, c'est ça hein, quand on prend l'avion, et qui en réalité, par les lois du marché, puisque les gens prennent l'avion parce qu'ils ont confiance, c'est surtout ça qui compte, même si effectivement on est à haute vitesse, on est haut, etc. C'est 10-9, c'est une chance sur 1 milliard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'avion, vous avez une chance sur 1 milliard de mourir. Comme vous vivez 2 milliards de secondes dans votre vie, si vous vivez jusqu'à 80 ans, voilà, donc ça laisse quand même de la marge. C'est aujourd'hui le moyen de transport le plus sûr hein, avec le train. Autonome, effectivement, aujourd'hui, après avoir refait l'inventaire de tout ce qui est nécessaire, l'Europe a toutes les compétences qui permettent de faire de volabilité. Alors, elles ne sont pas toutes regroupées au même endroit. Elles n'ont pas eu l'occasion, depuis le projet Hermès dont vous aviez parlé, elles n'ont pas eu l'occasion de se remettre tous ensemble autour d'un projet européen. Mais différents industriels européens ont agi, soit pour, auprès des Américains, soit auprès des Russes, soit même auprès des Indiens. Ils ont maintenu les compétences. Ce qui manque, c'est un programme européen. Ce ne sont pas les compétences qui manquent. Et puis, dans ce mode autonome, en discutant, il y avait aussi un petit quelque chose de sous-jacent qui est que le véhicule, c'est justement un peu quelque chose de nouveau dans l'approche de la maîtrise de l'espace. C'est une composante qui doit être elle-même aussi autonome, donc compatible de plusieurs lanceurs, de plusieurs destinations, de plusieurs usages. Donc voilà, c'est un petit peu rentré dans ce qu'on appelle la logistique spatiale et pas simplement dire qu'on fait des missions qui sont, elles resteront au début très programmées, bien sûr, mais si l'infrastructure logistique le permet, il y aura très certainement des extensions d'usage. Et puis le fait que ça soit européen, ça concerne pas simplement la réalisation du projet et l'exploitation du projet, mais ça concerne aussi l'identification des besoins. Quels sont les besoins de l'Europe et du coup, quelles vont être les spécifications de l'Europe. Et on s'est déjà rendu compte au travers des travaux qui ont été faits par l'Agence spatiale européenne que d'abord, on n'avait pas forcément les mêmes que les Américains comme besoins, comme intentions. Et puis qu'on n'avait pas forcément exactement les mêmes recherches de solutions, donc même les spécifications ne sont pas forcément les mêmes. Et puis même en interne européen, entre les différents États membres de l'Europe, tout le monde n'est pas motivé exactement par les mêmes applications et donc les besoins sont un travail sur lequel il y a de la convergence à faire et il a tout l'intérêt de se poser la question en tant qu'Européen. Bon, par contre, à la fin, ce qui reste de toute façon, dans tous les cas, il y a les lois de la physique qui sont là. Donc, pour être capable de faire du volabilité, il y a des grands choix d'architecture donc, qui sont quelque part un passage obligé pour être capable de réaliser les produits qui vont fournir le service. Donc, il y a d'abord de quelle dimension on parle. Donc, le choix de l'Europe, ça a été de dire qu'il faut transporter au moins 4 astronautes. Alors, 4, 5, 6, 7 maximum, enfin au moins 4. Et puis, effectivement, au moins dans cette version-là, il faut pouvoir être lancé avec une Ariane 6. Alors, pas forcément que Ariane 6, comme je disais tout à l'heure, il faut pouvoir être agnostique par rapport aux lanceurs, évoluer potentiellement avec d'autres lanceurs, du lanceur européen de demain ou des lanceurs d'autres pays, pourquoi pas. Et ça conduit, de fait, à avoir une masse au décollage qui soit d'environ 20 tonnes, alors 22 maximum, en tout cas de la classe 20 tonnes, une longueur qui soit à peu près de la classe 20 mètres, et puis un diamètre utile qui soit a priori de 5,40 m comme le choix du diamètre d'Ariane 6 aujourd'hui, qui sont tout à fait suffisants pour ce genre de véhicules, qui sont même d'ailleurs plus grands que la plupart des véhicules habités, en tout cas des capsules, etc. Et puis, l'intérêt aussi, puisque on veut faire du vol habité et on veut faire ça dans toutes les phases de vol, donc il faut que la forme elle soit efficace dans toutes les phases de vol, donc aussi bien à la montée, où on traverse l'atmosphère, très dense au début et puis après de plus en plus vite, donc il y a un moment où on atteint, pour ceux qui connaissent un petit peu la pression dynamique max, le moment où finalement, dans l'atmosphère qui est encore dense, on atteint une telle vitesse que c'est le moment où la combinaison de la vitesse et de la pression fait qu'on passe par un sommet, hein, et c'est souvent le moment le plus dangereux dans les phases de lancement, c'est le moment où il y a le plus de contraintes sur le lanceur. Et puis après, il y a toutes les phases de déploiement dans l'espace, hein, où il faut être, cette fois-ci, on n'a plus de problème d'aérodynamique plutôt, autour de soi, en grande vide. Mais il faut être capable de déployer plein de choses, il faut que les formes soient faites comme il faut, etc. Et puis après, l'idéal pour la rentrée, c'est que la rentrée soit lisse. On a vu l'inconvénient pour la navette spatiale américaine d'avoir des ailes qui essayent d'être compatibles à la fois d'une rentrée atmosphérique
28 000 km/h à Mach 25 dans l'atmosphère, avec tout ce que ça veut dire, des échauffements énormes, des points, voilà, une neige qui est forcément avec une très grosse épaisseur de protection thermique, du coup, qui est mal adapté pour faire l'atterrissage, et des atterrissages à très très haute vitesse, et puis un avion qui plane quasiment pas, donc voilà, en gros, on essaie de faire entrer un fer à repasser qui est très fragile, hein, ça, voilà, ça, y a un des accidents de la navette, c'était quand même dû à la fragilité des ailes. Et puis donc là, le principe, si on veut être vraiment efficace, c'est d'éviter d'avoir des appendices qui dépassent pour la rentrée aussi, non seulement pour la montée, pour la partie aéro à plus basse vitesse, puisque au fur et à mesure qu'on monte, la pression diminue. Donc finalement, on accélère, mais une fois qu'on accélère, on est dans le vide. Dans l'autre sens, on arrive très vite, et puis c'est que l'atmosphère qui vous freine. Hein. Dans un sens, c'est les moteurs qui vous poussent. Et l'atmosphère qui vous freine un peu au début, puis qui vous freine plus après. Et dans l'autre sens, il n'y a plus de moteur et vous êtes en train de rentrer avec une très très grande énergie cinétique. Et c'est l'atmosphère qui vous freine. Donc sur les capsules, il y a une solution avec des capsules où on met un matériau qui quelque part se vaporise, hein, se sublime. La température monte au-dessus de 3000 degrés. Et puis petit à petit, on échange la chaleur, elle est évacuée en même temps que la matière, on peut dire. Hein, la matière très chaude, elle s'évacue. Et puis on arrive en bas en espérant que la forme ne se soit pas trop déformée et que la stabilité soit encore là. Et c'est très difficile d'avoir des capsules réutilisables, ou en tout cas, il faut remplacer toute cette partie-là, qui est la plus chère, enfin, en tout cas, une des plus compliquées techniquement. Donc, ce n'est pas très, très rentable, les capsules. Donc, du coup, comme on a une grosse incertitude sur l'endroit où ça va se poser, puisqu'on ne peut pas vraiment les guider, comme ça tombe à quelques dizaines de kilomètres près, au moins, au mieux, hein, d'ailleurs, des fois un peu plus. Enfin, on ne peut pas viser un aéroport, on ne peut pas viser quelque chose, on ne peut pas viser un endroit habité parce que ça risque de tomber sur des habitations. Donc, quasiment dans tous les pays, sauf en Russie où ils ont des grandes steppes où il n'y a personne, des grands déserts, et donc ils atterrissent dans la steppe, là où il n'y a personne. Tous les autres qui ont des capsules, typiquement les Américains, les Chinois, ils atterrissent dans l'eau. Avec tout ce que ça veut dire, il faut que le bateau arrive à temps, il ne faut pas que ça coule, ça fait un choc, il faut que ça flotte. Enfin. Donc c'est beaucoup plus simple de dire, un peu comme la navette spatiale, mais avec des ailes peut-être profilées autrement, un atterrissage sur une piste, sur Terre, à côté des zones qui sont là, etc. La partie propulsion, il faut qu'elle soit efficace, évidemment, surtout si on veut avoir des évolutions dans l'espace. Et puis tant qu'à faire, aujourd'hui, on est bien conscient, c'est quand même mieux si elle n'est pas carbonée. Donc aujourd'hui, la référence, c'est quand même hydrogène et oxygène liquide. Et puis la propulsion, quelque part, c'est une chose de lui demander de s'allumer et d'être contrôlé correctement au décollage et après de pousser. Et puis c'est autre chose de lui demander de s'allumer juste exactement un bon dixième de seconde avec ce que fait Elon Musk. Hein, c'est bravo, c'est une prouesse. Hein, allumer trois moteurs, parce qu'au début, il faut freiner très fort parce que sinon, ils font en rentrant dans l'atmosphère. Et après, s'il continue avec les trois moteurs allumés, comme il pèse de moins en moins lourd, il repartirait dans l'autre sens, il repartirait vers l'espace. Donc, il faut les couper. Puis, à la fin, il faut avoir allumé juste à la bonne seconde le bon moteur, puis éteindre à la bonne seconde le bon moteur. C'est un petit peu comme si vous étiez à 130 sur l'autoroute. D'un coup, il y a un mur et vous devez freiner, mais juste de la bonne façon pour vous arrêter pile, pour vous poser sur le mur, finir à 1 cm du mur. Parce que s'il arrête son moteur 5 mètres trop haut, il tombe de 5 mètres. S'il considère que le sol était trop bas, il va rentrer dedans. Taper dedans, donc c'est très compliqué, et puis c'est à la merci de bon fonctionnement du moteur à chaque fois. Donc typiquement, je parlais tout à l'heure de fiabilité, on peut difficilement atteindre des fiabilités de 10.5, enfin 1000 fois mieux que ce qu'on fait aujourd'hui si on se pose au moteur. En fait, aujourd'hui, techniquement, quand on fait les calculs, on ne peut pas, quoi. Bon, et puis après, sur la partie rentrée et atterrissage sur Terre, il y a aussi des choix d'architecture qui incitent à dire qu'il faut qu'on soit quand même, d'abord que ça soit sûr, donc éviter les surchauffes trop importantes, comme je disais tout à l'heure, sur les phases de rentrée, être capable de choisir, d'avoir une capacité de s'orienter, faire le choix du site. Hein, avec une capsule, on essaie de se protéger, mais elle tombe là où elle tombe. Hein, une fois qu'elle a commencé à faire sa rentrée, après c'est balistique, on n'a pas de moyen de faire autrement. Du coup, les grands choix d'architecture qui semblent s'imposer plus ou moins, c'est plutôt, en tout cas chez Dassault, c'est notre analyse. C'est un corps portant, ce qu'on appelle un corps portant, c'est-à-dire quelque chose qui rentre dans l'atmosphère avec une forme parfaitement étudiée, qui est stable, et qui permet de freiner doucement. Donc, c'est pas qu'elle vole, mais elle ne vole pas exactement comme un avion, elle n'a pas la même finesse qu'un avion. Et quelque part, un petit peu comme un parachutiste qui fait du vol libre, ou quelqu'un avec une
une spacesuit est capable de, voilà, de s'orienter, de ralentir, de freiner, de manœuvrer, y compris en hypersonique, voilà, à des vitesses de Mach 25. Et puis après, bah, il faut être capable d'atterrir sur une piste classique. Donc là, il faut quelque part atterrir sur une piste classique, c'est des ailes, il faut avoir des vraies ailes, mais pas des ailes qui font les deux à la fois. Ce n'est pas les mêmes modes de la physique. Et puis autre chose qui est quand même très important, aussi bien pour la fiabilité, mais aussi pour les coûts, c'est de pouvoir être le plus réutilisable possible. Donc comme je disais tout à l'heure, les capsules, c'est difficile qu'elles soient entièrement réutilisables. Donc SpaceX d'Elon Musk, ses capsules Dragon sont remises en état hein, après les vols, donc il a été capable jusqu'à présent de les utiliser plusieurs fois, moins que ses boosters, hein, mais il les réutilise, mais bon, il lui faut quand même plusieurs mois, plus de 6 mois, au mieux, je crois que la plus courte, ça a été 6 mois de travail pour la remettre en état dans le vol suivant. Donc l'idée, c'est que toutes les servitudes soient intégrées, qu'il n'y ait pas de module de service consommable, qu'on ne fasse pas comme... et au passage, d'ailleurs, il y a des modules de service qui sont consommables. Hein. Donc la solution de Boeing, la capsule de Boeing, c'est une partie qui est jetée. Le Space Rider, il y a une partie qui est jetée parce que les panneaux solaires, les choses qui sont comme ça, ils ne sont pas dedans. Et donc, ils sont perdus à chaque fois, il faut les refabriquer et les refaire. Donc, ça prend du temps et ça coûte. Du coup, chez Dassault, ça fait un moment qu'on réfléchit à ça. Donc, il y a les, comme on disait tout à l'heure, il y a l'expérience d'Hermès, mais après l'expérience d'Hermès, on a quand même aussi dessiné le X-38 pour les Américains. Hein. C'était le vaisseau de secours de la station ISS qui était prévu d'être justement plus fiable que la navette spatiale américaine. Donc, au départ, Boeing, qui avait en charge, avait fait une petite, il avait copié le Space Shuttle. Et puis les études ont dit, ben non, ça va pas le faire, parce que ça ne sera pas plus fiable que le shuttle, donc il faut changer la forme. Et à l'époque, donc, ça avait été demandé à l'ESA et à Dassault de réanalyser ça. Donc il y a des équipes de Dassault qui sont parties, hein, Houston directement, qui ont, voilà, on a complètement remodifié le projet de Boeing. Il a été refait et les ailes ont été amoindries, la forme a été complètement changée. C'est devenu le X-38 qui a fait des essais, mais qui n'a jamais été opéré, puisque en même temps, il y a eu la chute de l'URSS, et finalement, on a choisi d'utiliser des capsules Soyouz, de les laisser là-haut, et de s'en servir comme véhicule de secours. Donc, voilà. Donc le X-38 n'a jamais été opérationnel. Et puis après, Dassault a fait en prolongation avec ça, donc vous le voyez là, donc il y a un dessin, là. Puis il y a le Space Rider qui est son enfant, mais le démonstrateur IXV, donc voilà, qui fait une rentrée atmosphérique sans avoir d'aile, hein, parfaitement pilotée. La forme est telle qu'on maîtrise tout et on arrive à freiner depuis 28 000 km/h jusqu'à à peu près 700-800 km/h, donc en subsonique. On passe de Mach 25 à Mach 0,6-0,5. Donc sans avoir besoin d'aile. Après, derrière, par contre, ça ne suffit pas pour se poser. Donc dans les solutions qu'on a des ailes déployables pour les versions d'après, et donc c'est ce qui est, ça a volé, c'est le seul véhicule réutilisable européen qui est volé, qui soit rentré, c'est l'IXV qui a été dessiné par Dassault. Ça se voit pas, il n'y a pas de drapeau dessus parce que c'était de l'argent italien, il n'y avait pas d'argent français ou très peu, donc il n'y avait pas de publicité, mais voilà. Et le Space Rider aussi, une forme qui est faite par Dassault. Donc dans cette échelle que vous voyez, l'idée c'est de dire on est capable avec Ariane 6 et puis peut-être avec d'autres lanceurs ou les successeurs de passer par des étapes qui sont, bah, les démonstrations sont faites, le Space Rider lui, il aurait dû voler l'année dernière, il va voler avec le Vega C qui malheureusement a du retard, il a un échec, donc son vol est reporté d'à peu près 2 ans. Mais après, nous ce qu'on prévoit c'est qu'il puisse y avoir une version plus grosse, plus mobile et plus flexible et qui permette de faire des missions militaires ou civiles en orbite basse, que ce soit du cargo ou des missions d'appointe, de la logistique. Et puis après, avant le vol habité, voilà, des versions cargo pour desservir, on verra après, les orbites basses. Et puis après, derrière, être capable d'aller plus loin que les orbites basses. Et le haut, ça veut dire low Earth orbit. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'on soit capable de desservir avec ces agents spatiaux aussi bien les besoins institutionnels dont on parle depuis tout à l'heure, hein, donc la stratégie de l'ESA, les intentions de l'ESA, le grand programme de l'ESA, dont du troc avec la NASA, hein, donc comme je disais tout à l'heure, changer un petit peu quelque part les relations entre l'ESA et la NASA et avoir des missions complètes.
L'Union européenne aussi s'intéresse à la chose parce qu'il y a des débouchés, il y a d'autres choses. Il y a des États membres européens qui aussi ont peut-être des missions qui pourraient être réalisées par ces avions spatiaux indépendamment, des missions cette fois-ci scientifiques, mais qui ne sont pas juste de l'exploration au sein du programme Artemis. Et puis il y a des pays amis qui sont intéressés par ça aussi. Donc on citait l'Inde tout à l'heure, qui ont un projet, et puis il y a des choses qui peuvent se faire avec eux et d'autres. Hein. Il y a des Émirats arabes unis qui ont aussi un programme important de niveau spatial et des ambitions aussi de volabilité qu'ils ont déjà volé d'ailleurs, ils ont des astronautes qui ont déjà volé. Et puis il y a des applications militaires aussi, hein, avec du côté industriel, du côté institutionnel, pardon, parce que c'est comme le X-37B américain, voilà, qui est un avion spatial qui est capable de faire des choses dont on ne sait pas trop quoi, mais pendant un certain temps. Voilà. Donc là, il y a toute une panoplie d'applications de ce côté-là. Et puis les applications commerciales, ben, c'est après l'ISS, donc justement la desserte des futures stations privées. J'en profite pour faire un petit. Donc l'ISS, c'est un outil magique, hein, mais en même temps, ça n'a jamais vraiment donné lieu à des applications purement commerciales, puisqu'il y a le problème que ce sont forcément les astronautes qui vont faire les expériences, et en plus, c'est un endroit qui est volontairement international. Donc c'est très compliqué pour une entreprise privée de préserver sa propriété industrielle, et de dire c'est du secret, alors qu'elle le dit à tout le monde, tous les pays le savent, etc. Donc les expériences biologiques, enfin. Donc on a du mal, voilà, ça c'est finalement les grands enjeux, les choses, c'est des petites affaires qui n'étaient pas très importantes, mais les véritablement grands enjeux n'ont pas pu prendre place dans ce contexte qui ne permettait pas d'avoir un fonctionnement suffisamment confidentiel. Alors les stations privées qui sont en préparation aujourd'hui, elles sont en location. Le principe est de dire, ben voilà, vous la louez, après dedans vous faites ce que vous voulez, nous on ne sait pas, et vous faites ce que vous voulez. Donc ça, ça rouvre quelque part la possibilité qui avait été abandonnée, qui est des applications privées, en grande partie souvent biologiques, médicales, matériaux, de grandes entreprises, pour avancer sur ça. Après, il y a ce qu'on appelle les hubs, c'est-à-dire le fait que ce ne soit pas forcément une station en tant que laboratoire, mais plutôt un endroit, un espèce de point de chute, d'hôtel pour aller vers la Lune ou pour aller vers d'autres destinations, en fait, en disant il y a bien un travail qui est spécial, c'est d'aller depuis la Terre jusqu'à l'orbite basse. Et là, en orbite basse, alors sur des inclinaisons qui ne sont pas forcément celles de la station internationale qui étaient faites pour passer au-dessus de la Russie et des États-Unis, mais plutôt des orbites qui sont presque orientées sur le plan définitif de la Terre ou un petit peu décalées pour aller plus facilement vers la Lune ou vers les autres planètes, faire de l'exploration. Donc ça, ce sont les hubs. Et puis, il y a aussi des projets aujourd'hui j'ai appelé ça usine parce qu'il y a différents types. Hein. Il y a les data centers aujourd'hui, Thales a déjà des projets qui sont en cours. Il y a des mégabus, il y a aussi des projets de centrales solaires spatiales qui nécessiteront d'être desservis soit par des cargos, soit même de temps en temps par des opérateurs, plutôt des travailleurs de l'espace que des astronautes d'ailleurs, plutôt des gens qui vont faire des réparations, de la maintenance ou de la surveillance que des gens qui feront des expériences. Voilà pour les applications. Du coup, les travaux chez Dassault Aviation, c'est des choix avec les caractéristiques qu'on a choisies pour être capable de répondre à ce type de cahier des charges. C'est de dire, ben voilà, bien sûr, le lancement sera vertical, on utilise une Ariane, alors soit l'Ariane avec deux étages à poudre, hein, l'Ariane 62, soit la plus puissante, l'Ariane 64, en fonction des versions que vous avez vu tout à l'heure, hein, les V1, V2 et V3 qui étaient sur le dessin d'avant. Et puis, la chose qui est importante, la deuxième caractéristique très importante, c'est l'autonomie en orbite. Hein, donc, être capable de pouvoir faire ce qu'on appelle les delta V, donc des variations de vitesse, donc des variations de plan, des variations d'altitude, enfin, manœuvrer, pas simplement rester sur une orbite, mais manœuvrer pour aller rejoindre une station, aller inspecter un satellite, aller faire des expériences, changer de plan pendant plusieurs mois pour les véhicules qui ne sont pas habités et au moins plusieurs jours pour les véhicules habités. Le temps d'aller, par exemple, d'un hub à une station ou des choses comme ça. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui reste important pour nous et ce qui avait fait les échecs principaux des cas précédents ou les coûts importants, donc le fait de ne pas pouvoir faire une rentrée douce, freiner, mais freiner en douceur et non pas comme un caillou qui tombe ou ni comme une aile trop fragile, donc avec des corps planants, portant, pilotés. Et puis à la fin, un atterrissage sur piste, pour nous c'est pareil, hein. c'est normal chez Dassault, on fait des avions, donc ça me paraît complètement normal d'atterrir sur une piste, mais
c'est beaucoup plus flexible d'usage, on se met à proximité, s'il y a des réparations à faire, on les fait directement là, s'il y a des gens à débarquer, ben, ils débarquent directement là, on n'est pas obligé de les extraire hein, pour les emmener sur un bateau, puis après un hélicoptère, je ne sais pas où, et puis c'est plus confortable, et puis surtout c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus fiable, parce que l'atmosphère elle est là, il y a 100% de chance pour que l'atmosphère soit là sur Terre, et donc c'est plus fiable que d'être obligé d'allumer un moteur. Voilà, donc ça c'était pour vous donner quelques éléments. Et puis dire qu'effectivement, dans le. Vous voyez, là, vous avez la chaîne de valeur du spatial, hein, avec le segment sol, que ce soit pour lancer ou pour récupérer les données qui viennent de l'espace, les lanceurs pour aller dans l'espace, tous les systèmes orbitaux, les satellites, et puis après derrière, les applications qui sont finalement la chose qui. Dans la chaîne de valeur actuelle, hein, les lanceurs, c'est 5%, les systèmes orbitaux, c'est 5%, simplement de la chaîne de valeur, hein, sur les fameux 400 milliards dont on parlait tout à l'heure, auxquels j'enlève la partie scientifique, donc il reste à peu près 200 milliards commerciales, donc sur la partie qui fait à peu près 200 milliards commerciales. Les lanceurs, c'est 5%, les satellites, c'est 5%, le segment sol, c'est 25%. Individuellement, chaque antenne, elle n'est pas très chère, puis votre décodeur, il n'est pas très cher, mais comme c'est multiplié par des millions d'utilisateurs, ça finit par faire beaucoup d'argent. Donc, en fait, ça pèse 25% du total. Et puis, 5 plus 5 plus 25, c'est 35. Donc, les 65% qui restent, les deux tiers qui restent, ce sont aujourd'hui les applications. Donc, les opérateurs de satellites, les broadcasters, les gens qui vous vendent des chaînes de télévision, les gens qui vous vendent du téléphone, les gens qui vendent de la synchronisation dans les banques, les gens, voilà, toutes ces applications-là qui font que chaque Français utilise 50 satellites par jour sans le savoir et d'une certaine façon paye des centimes par-ci par-là, mais à la somme, à la fin, à raison d'être des milliards à faire ça, ça finit par faire beaucoup d'argent. Et la brique qui manque aujourd'hui, surtout en Europe, c'est voilà, la capacité de boucler la boucle, hein, de la réutilisation, l'avion spatial qui permet de dire, bah, voilà, ces moyens-là, quelque part, je peux les optimiser, les simplifier parce que je peux réutiliser. Un peu comme l'avion, c'est pas, je brûle pas mon avion à chaque fois que je m'en sers. Je ne brûle pas ma voiture à chaque fois que je m'en sers, je fais qu'un trajet avec. Non, là, on dit, voilà, j'ai une voiture avec laquelle je peux aussi bien aller acheter du beurre qu'aller. Travailler tous les jours, aller en vacances, et puis c'est la même. J'ai investi une fois, et je l'utilise de façon différente, différentes fois, et des fois elle est pleine, des fois elle n'est pas pleine. Mais globalement, c'est une économie par rapport à dire à chaque fois, je construis un vélo, ou je construis une moto, ou je construis une voiture, et à l'arrivée, je la brûle. Alors, je n'ai pas répondu à toutes les questions directement, presque, mais donc je suis ouvert à toute reformulation pour répondre à des questions plus précises. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. En fait, oui, l'Europe va commencer aussi par étudier la réalisation d'un véhicule de fret qui évoluera vers une capacité de transport spatial habité. Mais effectivement, il faut qu'elle innove et se différencie des solutions actuelles de partenaires ou bien on peut parler de concurrents même. Par exemple, il faut peut-être penser à tout véhicule. Sur l'orbite basse de la Lune soit entièrement réutilisable. Donc, par exemple, pas comme le véhicule Orion de la NASA dans le module de service que nous fournissons n'est utilisable qu'une seule fois. Il faut aussi penser à une démarche en termes de maîtrise de l'impact environnemental aussi avec une empreinte carbone la plus basse possible. Et la réutilisation fait partie de cette stratégie aussi. Donc, il y a tout ça, c'est un sujet clé sur lequel l'industrie spatiale française et européenne en général devrait être en pointe, surtout avec le fort accroissement attendu des activités spatiales mondiales. Comme j'ai déjà dit, il y a des personnes en ligne avec nous, mais devant moi, il y a plus qu'une centaine des étudiants dans l'amphithéâtre. Donc, il y a des questions pour vous. J'ai essayé de lire les questions, quelques questions des étudiants. Donc, pourquoi Artemis n'a toujours pas décollé vers la Lune après, je pense, trois essais initialement prévus pour août 22, après pour septembre, et maintenant c'est prévu pour novembre. C'est le 16 novembre, je pense, hors de Paris. Donc, voilà la question. Pourquoi Artemis n'a toujours pas décollé vers la Lune?
Alors, je ne vais pas remplacer nos amis américains, mais je vais essayer de donner quelques éléments. D'abord, il faut se rendre compte que quand on arrête de faire quelque chose pendant très longtemps, et que les gens qui l'ont fait, les gens qui ont conçu à l'époque, voilà, après le programme Apollo, tout ça, ce n'est pas si facile que ça de rouvrir les cartons. Les jeunes qui suivent derrière ont des très bonnes connaissances scolaires, mais ils n'ont pas, voilà, c'est des cas qui n'ont pas forcément appris. Et donc, il y a une certaine difficulté à relancer ces programmes. Et ensuite, il y a une difficulté aux États-Unis qui ressemble un peu à celle qu'on a en Europe. C'est une fédération, les États-Unis. Donc, de loin, ça a l'air d'être un pays unifié, mais en fait, en interne, c'est des États qui sont en concurrence les uns avec les autres, les industriels qui sont en concurrence les uns avec les autres. Et donc, cette organisation, pour faire quelque chose de très complexe, qui doit mettre en œuvre beaucoup d'industriels qui, souvent, dans d'autres domaines, sont en compétition. On fait travailler Lockheed Martin avec Boeing, alors que normalement, ils s'affrontent. Voilà, ça ne facilite pas les choses. Ça facilite pas les choses. Ça peut mettre un petit peu de temps pour que ça converge. On a voulu aussi, du côté américain, réutiliser beaucoup de choses du passé. Donc, quelque part, l'architecture, effectivement, du SLS, elle est assez proche de celle de l'architecture, finalement, des premiers lanceurs Apollo, hein, de Saturn V en particulier, mais pas que. Donc, c'est pas une copie exacte, mais ça s'est quand même pas mal inspiré de ça. Et sans réutilisation, par exemple. De toute façon, Voilà. c'est un lanceur intégralement consommable. Et tout ça, ça fait que, à la fin, ça coûte plus cher. Comme ça coûte plus cher, on a du mal à le financer. Comme on a du mal à le financer, on essaie de faire des impasses. Comme on fait des impasses, finalement, on tombe de temps en temps sur des trucs qui on n'a pas assez travaillé. Comme pendant tout ce temps-là, on ne vole pas pour de vrai, ça reste du papier, ça reste des choses, on n'apprend pas. Comme on n'apprend pas, les gens qui avaient commencé à savoir s'en occuper, ils se fatiguent, ils s'en vont faire autre chose. Les meilleurs s'en vont, etc. Donc, ce n'est pas une organisation qui est aussi dynamique, typiquement, pour être clair, ce n'est pas aussi dynamique que SpaceX. Dans lequel voilà, il y a des résultats, il y a des prises de risques, c'est vrai, mais il y a des résultats qui sont un peu plus rapides. Il y a les principes de réutilisation dont on parlait qui font que quand on a quelque chose, on peut s'en servir et ça fait gagner du temps. Hein. Nous aussi, hein, un avion ou un lanceur, ça en met 4 ans à le fabriquer, à peu près, c'est ça. Hein. Heureusement qu'un avion, quand on s'en sert une fois, on peut s'en servir le lendemain ou même une heure après. S'il fallait de nouveau 4 ans, ça changerait tout. Et aujourd'hui, nos lanceurs qui sont pas réutilisables, on met 4 ans pour les faire. Une fois qu'on, voilà. Et donc, on ne peut pas en fabriquer à l'avance. Enfin, on ne peut pas remonter dans le temps. Si tout d'un coup, aujourd'hui, quelqu'un vient demander à un groupe, par exemple, ou à des gars, enfin, un lanceur européen, un lanceur consommable, demain, je voudrais vous en commander, enfin, je voudrais voler demain ou dans 15 jours, puis je voudrais voler plein de fois. On lui répondra, attendez, il me faut 4 ans pour fabriquer, donc vous revenez nous voir dans 4 ans. Enfin, passez commande et vous revenez nous voir dans 4 ans. Vous allez poser la question à Musk, qui vous dit, oui, dans 15 jours, ok, d'accord. J'espère que la quatrième date sera la bonne. Alors, Valentin, il pose la question. Vous parliez d'utiliser la Vega-C pour lancer des futurs avions spatiaux et notamment d'un test prévu pour l'instant retardé, en sachant que la scission Arianespace semble de concrétiser suite à la demande du gouvernement italien. Cela n'impacte pas le futur contrat pour vous et vos tests. Non, non, puisque en fait, donc le Space Rider, d'abord, le programme a été lancé il y a déjà longtemps. Il a été confirmé à ministériel de 2019, puis encore abondé avec de l'argent supplémentaire à ministériel de 2022. Vous savez que tous les 3 ans, il y a un conseil ministériel de l'ESA. Donc ce projet, il est alimenté correctement, il avance. J'aurais tendance à dire, c'est vrai que c'est Vega le lanceur naturel pour le Space Rider. Que Vega soit lancé au travers d'un espace ou directement par Apollo, ça ne changera pas la technique, ça ne changera pas tout ça. Donc, ça remet pas en cause aujourd'hui, ça ne remet pas en cause le programme en aucun cas. Hein. Donc, le véhicule est en préparation, le lanceur est en préparation. Après, c'est plus une affaire. Aujourd'hui, ces deux demandes de scission entre Avio et Arianespace, c'est plus une affaire commerciale, c'est plus une affaire de gouvernance, c'est une affaire j'aurais tendance à dire, de grand chef, mais ça ne change pas les. Ça change pas la fusée, ça change pas l'avion spatial. Une autre question pour les activités des Dassault. Quels sont les avantages du lancement aéropoté à partir d'un avion de combat? Il parle notamment de MLA, le mini lanceur aéropoté.
Alors, c'est tout complètement en dehors du sujet d'aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas faire de vol habité. Hein, donc, la capacité d'emport voilà, d'un Rafale ou d'un avion, enfin, même d'un 747, comme a voulu le faire Virgin, ça reste quelques tonnes ou quelques dizaines de tonnes, sachant qu'on satellise 1 ou 2% de la masse au décollage. Donc, à moins que vous trouviez des bonhommes qui pèsent moins de 10 kilos, ce qui n'existe pas sur Terre, donc de toute façon, ça ne sera jamais habité ou qui tiennent dans une boîte à chaussures. Donc, en fait, c'est à cette échelle-là, on ne peut pas faire de vol habité. Peut pas aller jusque dans l'espace. Bon, alors, on fait des vols habités de nos avions, évidemment, ils vont en haut de l'atmosphère. C'est des besoins de défense et de sécurité. Voilà, alors les lancements, donc les lancements qui sont là, les lancements aéroportés, ce sont effectivement pour des applications de défense. Où il suffit de mettre en orbite des choses qui pèsent quelques dizaines de kilos, pas plus. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut envisager une mission habitée européenne à destination de complexe orbital quelques mois avant sa désorbitation prévue en janvier 2031 afin de récupérer peut-être du matériel et des équipements européens? Je parle de la station internationale ISS. Alors, en fait, il y a deux choses différentes dans la question. La première, c'est est-ce qu'on aura du vol habité avant 2031? J'espère. Ça commence à devenir un petit peu difficile parce qu'il aurait fallu normalement prendre une décision un peu plus engageante à la ministère de 2022 pour avoir déjà, là, en ce moment, commencé à faire des essais réels. Enfin, des essais. Pour l'instant, il y a un budget de 60 millions d'euros qui a été voté à la ministère de 2022 pour pouvoir avancer jusqu'en 2025. Un certain nombre de technologies, d'avances d'architecture, etc. Mais avec 60 millions d'euros partagés dans tous les acteurs au niveau européen pendant 4 ans, parce que ça recouvre la première année après 2025 pour pouvoir faire le lien avec les programmes qui pourront être votés derrière. Donc ça fait pas tant d'argent que ça fait de quoi faire du papier principalement, mais ça ne permet pas d'avancer. Donc on a plutôt pris du retard par rapport aux ambitions de l'Agence spatiale européenne aujourd'hui. Ça met que la date de 2030. T30, elle est plutôt à 2032 aujourd'hui. À la louche, on a perdu 2 ans et donc ça nous fait sortir de cette épure. Et puis après, la question de récupérer des choses européennes avant le démantèlement de l'ISS, c'est une vraie question et elle peut très bien être réalisée sans qu'on passe par une autonomie d'accès à l'espace. On peut très bien l'utiliser quelque part, comme on a aujourd'hui des astronautes qui volent soit sur Soyouz, soit sur Dragon. Peut-être pas sur la CST-100 qui a du mal à. De Boeing qui a du mal à aller en vol, et donc j'ai l'impression que le programme a une probabilité non négligeable d'être abandonné. Mais en tout cas, on peut très, nos astronautes aujourd'hui vont sur la station internationale sans qu'on ait l'autonomie d'accès à l'espace. L'autonomie d'accès à l'espace, c'est pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, faire des missions nous-mêmes et pas être tout le temps dépendant des Américains ou des Russes et payer très cher. Hein, donc le prix d'un siège, hein, voilà, c'est. Le siège nu sans rien, c'est comme si vous achetiez une voiture chez Porsche sans rien du tout. Et c'est environ à 70 millions de dollars. Mais quand vous commencez à demander les options, parce qu'il y a quand même un minimum d'options qui sont nécessaires, bon, ça passe au-dessus des 100 millions de dollars le siège. Donc voilà, c'est pas gratuit. On peut dire qu'à l'ère de New Space, il faut faire des choses différemment et pour réussir ce nouveau défi, il faut vraiment réformer la façon aussi de travailler, surtout mettre tout le monde en compétition avec moins de contraintes. Le rôle de Space et le New Space pour trouver des meilleures solutions technologiques et de services aussi pérennisables. Alors, l'Europe ne peut pas se permettre maintenant de s'isoler, d'investir aussi plus dans le leadership, l'autonomie en matière de vol habité et ne pas rester seulement comme vous avez dit, dans le cadre de la coopération internationale avec le partenaire. Voilà, donc ça, c'est Mais sauf que les. Oui. je me permets de juste faire une remarque parce que je pense qu'il y a un petit mélange entre deux choses qui sont différentes. Enfin, le old space et new space, il faut faire attention. Aujourd'hui, le new space qui fait rêver tout le monde, hein, c'est Elon Musk. C'est loin d'être new. Hein. Ça a été créé en 2002. Ça a plus de 20 ans. Il a mis 20 ans pour le faire. Le premier vol de SpaceX, il a été moins rapide que le premier vol d'Ariane. Hein. Ariane décidé en 74, vol en 79. SpaceX créé en 2002, premier vol qui a fonctionné en 2012. Donc ils ont mis 2 fois plus longtemps. Par contre, ça a été fait avec un esprit différent. Donc c'est pas le début qui a été plus rapide. C'est effectivement la vision de dire je fais pas des fusées pour faire des fusées.
Je fais de l'argent. Et l'argent, il est où? Quand on vous parlait de la chaîne de valeur tout à l'heure, il est dans les applications, vous avez vu. Elon Musk, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas tellement qu'il a. En fait, c'est parce qu'il se fiche des lanceurs. Enfin, il est intéressé parce que c'est des beaux jouets. Mais ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. Et l'argent, il le gagne avec Internet. Donc, il a fait Starlink. Et ce qu'il vend, c'est qu'il vend de l'Internet à des milliards, potentiellement à des milliards de gens. Il essaie de capturer 1% des 4 000 milliards de dollars du marché de la donnée. Ça fait 40 milliards par an. Et c'est son objectif. Sachant qu'il va recevoir, il reçoit en ce moment 1 milliard à peu près de commandes de la part de la NASA et 1 milliard de commandes de la part du DOD militaire américain. Ce qui font 2 milliards par an, ce qui effectivement fait très envie à Arianespace qui fait 1 milliard au mieux. Donc on dit oui, il y a plein d'argent de la part de l'État. Oui, mais c'est pas avec ça qui finance Starlink et qui finance le reste. Il le finance avec le fait que son intention, c'est déjà cette année, là, il va faire plus d'un milliard avec Starlink, avec la vente d'Internet, et il essaye de gagner 20, 30 ou 40 milliards avec cette activité-là. Donc, c'est ça le New Space. C'est pas faire la fusée autrement. Le New Space, c'est penser business. D'accord? Et jusqu'à présent, le All Space, c'est pas les industriels. Le All Space, c'est penser institutionnel, pure science, etc. Et la science, c'est bien. Enfin, si on n'avait pas fait la science, quelque part, pour l'humanité, pour tout le monde, pour nous-mêmes, même pour les produits, il y a plein de choses qui viennent des recherches qu'on a faites pour la science. Mais c'est deux approches différentes. Et typiquement, Dassault, si, aujourd'hui, nous, on se considère comme étant du New Space, hein, sans aucun doute. Et d'ailleurs, on fait partie des associations, on est en lien avec énormément de startups, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des relations très bonnes avec Thales, dont on est l'actionnaire principal, des relations de coopération avec Arian Group, avec les autres, avec Airbus. Voilà, ne mélangez pas les états d'esprit. Et les industriels. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une petite erreur qui est faite par certains qui sont mal informés, enfin parce que les médias sont pas très clairs, hein, des fois. Les médias font des mélanges. S'il n'y a pas autre question des étudiants, je termine par ma question maintenant. Quels sont de votre part pour le jeune, quels sont les conseils pour des jeunes étudiants intéressés par la science et sciences de l'ingénierie et spécialement les études en aéronautique et spatiale, puisqu'on est dans une école spécialisée dans ce secteur? Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, je pense que de plus en plus, l'espace devient un moyen. Ça n'est plus une destination. Pendant des décennies, l'espace était une destination. On voulait aller dans l'espace pour y aller. Et on voulait aller sur la Lune pour y aller. Là, maintenant, en fait, on peut faire des choses depuis l'espace. C'est déjà le cas, hein. Encore une fois, la valeur, elle est principalement dans les données qui viennent de l'espace. Par exemple, sur l'environnement, vous devez tous savoir, j'espère que vous le savez, que plus de la moitié des informations absolument nécessaires au GIEC pour pouvoir faire l'ensemble des analyses sur l'environnement de la Terre ne peuvent venir que de l'espace. Donc, s'il n'y a pas l'espace, s'il n'y a pas de l'espace, on ne sait pas faire nos mesures, on ne sait pas dire qui pollue, on ne sait pas dire quels sont les effets des océans, on ne sait pas tout ça. Donc, l'espace, c'est certainement le meilleur instrument pour la préservation de la planète. C'est nécessaire. Donc rien que de se rendre compte de ça, déjà c'est donc le lien est indéfectible. L'espace, c'est l'environnement, ça a besoin de l'espace, sinon on n'arrive pas à le sauver. Et alors le fait qu'on pollue un peu quand on envoie une fusée, c'est vrai, mais il faut le remettre à sa juste valeur. Une année, un lancement d'Ariane avec les boosters à poudre, etc., dont on peut considérer un lancement d'Ariane qui fait énormément d'énergie, hein, parce que pendant les 2 premières minutes, c'est l'équivalent de 18 tranches de centrale nucléaire, hein, la puissance. Mais pas l'énergie totale, mais la puissance est énorme. Pour autant, un lancement, tout compris, depuis la fabrication 4 ans avant, pour faire toutes ces choses-là, jusqu'au vol compris, bah, c'est l'équivalent de 10 minutes de circulation à Paris, en pollution, en CO2. Et Paris, c'est une petite ville, enfin, il y en a d'autres, hein, mais je veux dire, Paris, ce n'est pas la planète entière. Et quand on fait un lancement où on met un satellite qui sert la planète entière, c'est pour la planète entière qu'on est en train de parler. Paris, c'est une petite ville, c'est 10 minutes. Donc, ça veut dire qu'une heure de circulation à Paris, ça a pollué autant que toute une année entière d'exploitation d'Ariane quand on en lançait 6 par an. Donc, pour mettre les choses à leur juste. Alors que l'espace, c'est ce dont on a besoin pour faire le reste de l'environnement. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà, ceux qui sont intéressés par leur environnement, par la préservation de l'environnement, jetez-vous dans l'espace, intéressez-vous à l'espace, c'est certainement la meilleure façon de faire quelque chose. En tout cas, c'est une des façons d'être très actif pour la préservation de l'environnement. Deuxièmement, c'est vrai que c'est compliqué, c'est dur, il faut se battre aux limites des lois de la physique, et donc c'est un petit peu une école de l'excellence.
Quand on fait le tourisme spatial, quand vous montez à 100 km, voilà, et puis vous êtes dans l'espace et qu'on vous met un badge en disant que vous avez été stationnaute, c'est très bien. Finalement, et qu'on retombe, finalement, on était à la vitesse zéro à 100 km d'altitude. Bah, pour rester satellisé, il faut avancer à 8 km par seconde. Donc, dit autrement, faire ça, c'est que 5% de l'énergie, c'est moins de 5% de l'énergie de celle qu'il faut quand on doit rester en orbite. Donc, ils ont fait que 5% du boulot, il en manque 95. Donc, c'est très facile de faire du tourisme spatial par rapport à satellisé. Voilà, on fait que 5% du boulot. Donc, ça, c'est une école, voilà, c'est une super école. Il n'y a pas de place pour l'à peu près dans le spatial. Oui, c'est l'avenir. Merci beaucoup. Alors, nous tenons, Monsieur Marc, à vous assurer que ce fut un très grand bonheur pour nos étudiants d'assister à votre conférence aujourd'hui. Et en espérant avoir le plaisir de collaborer de nouveau avec vous, je vous prie aussi d'agréer tous nos salutations les meilleures. À très bientôt. Je vous montre juste mes étudiants avec moi dans l'amphithéâtre pour vous dire un grand merci à vous. Voilà, ils sont là. Ben, moi, je vous remercie par avance pour tout ce que vous allez faire pour la planète et tout ce que vous pourrez faire pour l'espace, pour le futur. Voilà. Et bravo à vous et continuez. Notre futur, c'est vous. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci à tous.